L'ex-footballeur international Didier Drogba chez Mariatou Kone, la ministre de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Il est venu parler éducation avec sa fondation. Alphabétisation est dictée. Voici les domaines dans lesquels la fondation Didier Drogba va appuyer le ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Nous, en tant que fondation, nous, nous voulons lui apporter notre soutien, raison pour laquelle nous sommes aujourd'hui présents pour, pour ce rendez-vous et, et cet échange. Les axes sont déjà présents. Euh, il faut vraiment qu'on travaille ensemble et euh, aider à la réalisation de, de, de ce, ces différents projets-là, que ce soit la dictée par exemple euh, et, et, et d'autres projets qu'on a encore euh, euh, ensemble. En Côte d'Ivoire, le taux d'analphabétisme est de 47 selon l'UNESCO. Il faut donc mutualiser les efforts pour une synergie d'action afin de revoir à la baisse ces chiffres. Nous, nous prévoyons des séances de, à travers un partenariat, des séances de, de formation, donc d'éducation, euh, d'alphabétisation numérique. Avec, vous savez, il y a les ouvriers, il y a les jeunes, il y a les chauffeurs de BACA, il y a les coiffeuses, il y a les producteurs d'anacade, il y a les producteurs de coton, il y a des producteurs de café-cacao. Vraiment, un peu de tout. Mais la mesure, l'idée principale, c'est vraiment faire en sorte que le taux de 47% d'analphabètes puisse vraiment diminuer de façon euh, radicale. Ces échanges ont permis à la ministre d'annoncer la révision et l'actualisation de la stratégie nationale d'alphabétisation conformément aux recommandations des EGENA, États généraux de l'éducation et de l'alphabétisation.